Dans la première forme géométrique, j'ai choisi ces trois lignes ici qui sont des lignes. En fait, si tu les continues, ça s'appelle un point de fuite. Le point devrait être à peu près par ici, tu vois. Et de l'autre côté, le point est beaucoup plus loin. Tu vois que cette ligne bleue, finalement, elle est plus en devant qu'en arrière. Je pense que ça serait plus harmonieux si c'était en arrière. Moi, je te propose de le voir cette fois-ci, ces formes de points géométriques, les mettre en arrière-plan. Ah mince! Ah, j'ai pas pensé à ça, mince! L'intérêt de l'exercice, c'était pour avoir les points de fuite ou en premier plan ou en second plan. Dis-moi lequel tu préfères. Moi, personnellement, je préfère celui-ci. Au niveau des coloris, ça va à peu près. Mais le fait de faire une forme qui ressemble à rien, sans aucun concept derrière, eh bien, ça reste quelque chose de creux. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mets un pouce comme ça.